Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cet édito du 1er octobre 2012. Voilà 2 ans que l'annonce d'un fork du logiciel de bureautique OpenOffice soulevait l'enthousiasme d'une grande partie de la communauté du logiciel libre. Alors OpenOffice est une histoire que l'on pourrait presque qualifier de typique hein, dans le monde des logiciels libres qui furent portés par des entreprises. Donc de rachat en rachat, le logiciel se retrouva au final sous la gouvernance d'une société dont le moins que l'on puisse dire, c'est que effectivement l'ouverture n'avait jamais vraiment été, je dirais, dans ses gènes. Il s'agissait d'Oracle. LibreOffice est donc né de la volonté d'une partie de ses contributeurs d'offrir une seconde vie à cette suite bureautique au travers de ce qu'on appelle un fork. Alors les sources d'OpenOffice, à moins que ce soit ceux de Goho, qui lui-même était un fork d'OpenOffice et qui était maintenu par Debian et Novell. Donc ces sources ont été dupliquées pour donner naissance à un nouveau logiciel. Alors ensuite est né The Document Foundation, basé en Allemagne. Il faudra encore une année pour que la fondation soit effectivement créée. Et puis dans l'intervalle, les développements de LibreOffice ont continué sous l'égide d'une association allemande. Alors le chemin parcouru en 2 années par LibreOffice n'est pas négligeable. La fondation, dans son communiqué de presse, fait état de l'activité combinée de 540 contributeurs qui auraient réalisé au total près de 40 000 modifications dans le code source de LibreOffice. Alors toujours côté chiffres, la fondation indique aussi que le logiciel a été téléchargé plus de 18 millions de fois. Alors, le projet OpenOffice n'a pas pour autant disparu. Oracle a en effet abandonné la gouvernance du projet à la fondation Apache. Et après une année sans réelle annonce ni sortie, est enfin apparue une version 3.4 d'OpenOffice, qu'il faut désormais appeler d'ailleurs Apache OpenOffice. Alors, une version destinée à mettre en conformité l'ensemble du logiciel avec la licence Apache utilisée par la fondation. Donc, il a fallu réécrire des morceaux du code du logiciel. Alors, les évolutions devraient donc reprendre. D'ailleurs, on trouve sur le site d'Apache OpenOffice une enquête proposant de suggérer et de noter des propositions pour la future version 4 d'Apache OpenOffice. Alors côté évolution, celle que j'attendrais le plus, ce serait une version web de ces suites bureautiques. Alors à ce jour, il n'existe pas effectivement de solution à base de logiciels libres, à même de concurrencer un Google Docs. Alors cependant, on a vu, LibreOffice a fait la démonstration d'une version web basée sur son logiciel et disposant de toutes les fonctionnalités de la version classique. Alors, une prouesse réalisée grâce à une évolution de la bibliothèque de programmation GTK+, qui est utilisée pour LibreOffice. Voilà. Mais il va falloir attendre fin 2013-2014 pour voir arriver cette version, un délai qu'on pourrait trouver bien long au regard des évolutions du web. J'en profite, j'en termine là, et petite annonce, donc les 11 et 12 octobre prochains, je serai sur l'Open World Forum pour animer les plateaux TV, en compagnie de Lumul Osmani, qui chargera des interviews en anglais. On se retrouve pour un prochain édito semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien, et à très bientôt.